Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit lui-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. À nouveau, dans ces paroles de Jésus, il y a cette volonté d'expliquer, de faire comprendre à ses apôtres le rôle extraordinaire qu'ils auront à jouer. Ils seront les représentants du Christ. Ils feront entendre la parole du Seigneur. Ils rendront donc visible la miséricorde du Père. Par la force de l'Esprit Saint, ils seront capables d'être les véritables témoins du Christ. Cet Esprit Saint, nous l'avons reçu nous aussi, au baptême, à la confirmation. Chaque baptisé, chaque chrétien peut rendre présent la gloire du Père, peut manifester la tendresse du Christ. Tous, nous avons reçu cette mission universelle de la part du Seigneur, annoncer son évangile, annoncer son amour et son pardon. Amen.